Bonjour, bonjour, de retour dans Prince of Persia, The Lost Crown. À l'occasion de l'arrivée d'un DLC, nous retournons dans l'aventure. Alors, quand on lance notre jeu, on nous dit le contenu téléchargeable Mask of the Darkness a bien été installé. Pour y accéder, il faut d'abord compléter la quête Le Tigre et l'Aurore. Je ne me souviens plus trop exactement à quel moment se passe cette mission, mais vous n'avez peut-être pas forcément besoin d'avoir complètement terminé le jeu pour y accéder. Cependant, si vous commencez l'aventure, vous n'aurez pas accès à ce DLC, c'est le premier point de départ, et on nous dit qu'il va falloir se rendre au refuge. Alors, on est de retour dans la zone, c'était la toute première zone, je crois, du jeu, ici, le refuge. Alors, avant que le DLC sorte, j'avais relancé le jeu, et j'avais acheté chez la vieille dame, il y avait un objet qui ne devait pas y avoir à l'époque. Et cet objet nous permet d'utiliser les armes comme des systèmes de déplacement rapide. Donc ça n'existait pas, on avait que... je crois que c'était ça, déplacement rapide, il n'y avait que ces trucs-là qu'on pouvait utiliser pour se déplacer rapidement. Ce qui fait qu'en fait on a beaucoup plus de points de déplacement rapide qu'avant, ce qui est pas plus mal parce que des fois c'était un petit peu chiant pour revenir à un endroit. Content de te voir, Nate. C'est un vrai labyrinthe ici. Tu tombes bien. Je viens de voir Rajen, pas très loin d'ici, dans la basse citadelle. C'est quel saut ? Il faut qu'on trouve le serpent dans l'herbe avant qu'il ne nous morde. Tu es avec moi. Accepter la nouvelle quête, le serpent dans l'herbe. Je te marque la position avec ton œil du vagabond. Retrouve-moi là-bas. Allons-y. Il faut frapper les premiers. Eh ben ça tombe bien. Alors il y a un point de déplacement rapide, mais on peut également utiliser notre arbre. À faire l'occasion de. Ah, par contre j'ai plus du tout le gameplay en jeu. Hein. Je me souviens qu'il y avait des passages qui étaient chauds, mais par ça. Donc là, t'utilises ces Rajen et sur les traces de Sargon, Nate l'a vu s'engager dans la basse citadelle. Elle propose de faire équipe avec Sargon pour frapper en premier et la neutraliser. Joyeuse idée que j'ai eue. Jen est passé par là. Allons-y et finissons-en. Peut-être qu'on peut la ramener à la raison. Essayons au moins de lui parler. Elle est plutôt du genre à frapper d'abord et à poser les questions ensuite. Dans tous les cas, je couvre tes arrières. Et moi les tiens. Je pense qu'on est parti pour une longue traque. Tu es prêt ? Généralement, on chope un nouveau pouvoir. J'aime pas trop ce que je vois là. Je vois ma jauge de vie qui est en train de fondre. Qu'est-ce que... C'est la bataille contre les Kushan. Bienvenue dans le passé. Immortel, en avant! Sargon pensait avoir trouvé une nouvelle plume de Simorgh, mais il est tombé dans un piège. Ouais, je vois ça. Cette réalité altérée, ses pouvoirs sont affaiblis, ses amulettes, ses potions, une grande partie des pouvoirs de Simorgh lui ont été retirés. Super. En fait, ils ont fait un reset. Ça, c'est pas très cool, hein, quand on s'est fait chier à monter notre perso. Bon. Ouais, il n'y a pas de carte. Qu'est-ce qu'on a ? On a la ruée. Il faut se remettre dans le gameplay, hein. Je me souviens qu'il y avait des moves sympas, mais alors déjà je m'attendais à avoir une ruée sur le bouton rond, et en fait c'est R2. J'avoue qu'une petite remise en...
en main gentillette aurait pas été superflu. Ah, j'ai pas le... Comment ça s'appelle ? Waouh. Showtime. Hein. On sent que le double saut manque... Ça apporte une latitude qui est la bienvenue. Ça va, c'est pas un temps, ça. Merde ! Oh le con ! Ah, toujours la caméra en PLS. Je suis pas une équipe qui gagne. Okay. Toujours pas de map. Bon, ça, j'étais pas super fun avec la bouboule, j'ai trouvé. J'ai plus le... Thank you.
Troisième fois, non? Nate, qu'est-ce qui se passe? À force de tâtonner dans l'obscurité, on finit par chuter dans sa propre tombe. Sois le bienvenu et prépare-toi à souffrir, Zargon. Serpent dans l'herbe, terminé. Les nuits sombres de l'âme. Petit carré de plus en de vie, après nous avoir tout retiré, ouais, c'est sympa, on va, limite on va les remercier, non? Ok, premier diamant. On nous dit, Rajen a attiré Sargon à l'intérieur même de son esprit. Sargon doit trouver un moyen d'accéder à la partie la plus secrète du piège qu'elle lui a tendu. Ah, c'est rigolo ça comme... Nouveau décor, hein. D'accord, faut taper dedans pour monter. Ah, un truc de ce côté-là. R2. Ouais, vaut mieux plutôt l'anticiper que... T'sais, bon, j'ai eu peur à un moment donné que... Ouais, super. Protection. Pas évident hein, quand on n'a pas joué au jeu depuis longtemps.
Nous, on est du bas. La question à un moment donné s'ils étaient pas deux. Merde, oula, j'ai... Sargon ne doit pas s'interposer. Varan, qu'est-ce que t'es en train de dire? Nous devons arrêter Sargon et Anaïta. Par tous les moyens nécessaires. Ça va me les casser pour rester poli, hein. Merde. Sensibilité du jeu là. C'est là où on dit qu'il vaut mieux observer. Avant d'agir pour éviter de faire des conneries. Je peux pas. C'est bizarre, hein, des fois la sensibilité est vraiment très particulière. Allez. Pas cool ça. Pour nous souhaiter la bienvenue. Pas rester là, hein.
bien sûr, on recommence tout. Hein. Ça, c'est vraiment merdique. Hein. Vraiment. Ouais, il remonte en haut. Oh, venir, mais pff, c'est détestable comme mécanisme. Hein. Quel garce. Relâchez la prisonnière immédiatement. Cette guerrière passe sous mon commandement. Je n'avais pas besoin d'être sauvée. Je n'en doute pas. Ce sont ces soldats perses à qui je sauve la vie. Où est l'arme?
Encore un moment bien détestable. Avec des pics même dans la partie haute, ce qui fait que si on gère mal son... Oh là là. Putain. Franchement, je déteste les mecs qui ont l'idée de faire ce truc. C'est vraiment des bâtards. Aussi détestable, mais qu'est-ce qu'on est content quand, quand on y arrive. Varam, j'ai exploré chaque recoin des profondeurs. Aucune trace du prince Hassan. Impossible. Je l'ai moi-même précipité dans le vide. Ce chapitre est écrit. Il ne peut pas être effacé. Et 2-3. Une zone bien, bien merdique. Ce qu'il faut garder en tête, en fait, c'est que les plateformes elles disparaissent pas. Contrairement à toutes celles qu'on peut connaître souvent dans les jeux ou même dans l'histoire principale, c'est que là, ça reste. Tant qu'on quitte pas la plateforme, qu'on saute pas, et ben, elle disparaît pas. C'est elle revient. Elle revient ou pas parce que. Putain, je déteste ces conneries, putain. Qu'est-ce que je déteste ça? Faut être prudent surtout. Putain. Foutu un peu des jetons. Saleté. Seigneur.
C'est bienvenu ça. Oula. Je me sens mort. Okay. C'est fini, on dirait. Une bonne idée finalement. Hein. Je déteste ça être enfermé dans... Un arbre magique.
J'avais vu un peu ses pétales. Bien mérité, hein. Pas facile à tuer, hein. Médaillon là-haut. On sent déjà qu'on va en chier. On l'a fait. Faut surtout se concentrer en fait sur les contrages des bouboules. Tu vas subir de telles souffrances que tes os demanderont grâce. Mais il sera trop tard. Descendre.
crois avoir fait des découvertes incroyables sur moi. Tu mourras comme tous les autres. Santé, Max. Encore venu ici. Poser la question si elle avait crevé un jour. Devoir emprunter la grande passerelle, c'est le seul accès vers la porte du cyborg. Je les attendrai là-haut. Hassan n'ira pas plus loin. Retrouve son corps dans les profondeurs et assure-toi qu'il n'en reste aucune trace. Oui, Varam. Tu cours partout, tu t'obstines. Ça doit être épuisant. Bientôt, tu seras beaucoup plus calme. Thank you.
Il s'arrête jamais celui-là, j'avais pas fait gaffe. Hein. Merde. Content de l'avoir s'il faut faire un match retour. Merde. Bon, ça me gonfle. Mais... Tu cours à droite, à gauche, comme un rat pris au piège. Thank you.
Anaïta, mais qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas prévu de te tuer, Sargon. Reste en dehors de ça. Écarte-toi. On va revenir. Merde. On avait peur avec le laser. On est passé pas loin, mais il y a un coin qu'on n'a pas... à visiter. Le jour de l'enlèvement est venu. Fais ce qui est prévu et pars au Mont Caf immédiatement. Cet endroit est devenu très dangereux, Majesté. Les hommes d'Ardashir et les immortels seront là pour sécuriser les lieux. Va à la porte du Simorgh. Fais en sorte que mon fils obtienne la bénédiction du Simorgh. Sympa les trucs comme ça superposés. Elle a du mal avec le fait de creuser, elle. Ouais. Putain, c'est chiant, on a... pas du tout ce que je voulais faire. Ça m'a déstabilisé là. Je regardais pas mon compteur, j'aurais dû savoir si j'avais...
trouver l'arbre. Une fiole, forcément l'accès va pas être simple. Si on pouvait tirer notre flèche pour se téléporter comme avant, qu'est-ce que ça serait bien. Merde. Quand même showtime, hein. C'est showtime ici. Ouf, ça va. Oh, oh, oh. Pas facile, hein. Ou que c'est pas facile. Putain, de la mériter, hein, celle-là. Et de deux.
Il n'y a pas besoin. Comment je le réinitialise? Ouais, voilà. En restant enfoncé, ça marche bien. Pas de bol. Chabar, c'est ça? Ta vie s'arrête ici. À moins que ce soit la tienne. Qu'on se mette bien quand même. Ah, sans la baston. Thank you.
crever, lui, hein. Tu n'es qu'un minable chien errant. Il est temps de tomber, de rouler au sol et de mourir. Attention, les pics sont assez désagréables. Le moindre faux mouvement. Tissot qu'on croit innocent de côté nous baise systématiquement. Ouais. Passage pas facile. Allez. Qu'est-ce qui nous manque, le double saut ? Du Cyborg. Donne-les-moi. Rajen, je ne sais pas de quoi tu parles. Que tu comprennes ou non, je vais m'en charger moi-même. C'est casse-pied, hein. Ça s'est bien passé. Là, j'avais déjà fait un peu le ménage avant.
Aram, j'ai entendu Anaïta et la reine. C'est Omiris qui a ordonné l'enlèvement de Hassan. Comment peut-elle se prétendre reine de Perse ? Omiris n'est pas Perse, c'est une massagette. Elle veut la bénédiction du Simorgh pour son fils, comme elle-même l'a reçu il y a 30 ans. Sa quête effrénée du pouvoir n'a pas de sens. Le pouvoir n'est pas une fin, c'est un moyen. 11e. Là, c'est choux, hein. Faut vraiment se concentrer, en fait. Faut pas donner de direction quand on saute, surtout. Faut se concentrer sur là où il faut tirer et là où il faut qu'on aille. Encore un passage, on est content quand on y arrive. On voit qu'il y a un arbre pas loin. Le plein. Ah, je trouve que le temps entre deux tirs est un peu long. En termes de fréquence, c'est un peu chaud. Hein. Puis la visibilité à l'écran, on aimerait que le screen s'élargisse un peu pour voir ce qui va nous arriver dessus. Ça va être motivé hein, pour celui-là. 7 sur 10. Bon, c'est bien, c'est... Putain de laser, là. Se sont arrêtés. J'aime beaucoup la petite fontaine là, de sang. On ne peut que saluer l'ingéniosité des pièges qu'on nous prépare. Yeah.
scandale, Sargon. Calme-toi un peu. Ou alors, toujours. On a survécu. Encore un bouillon. Ouais. Goftam! Si tu touches à mon frère, je viendrai te tuer dans ton sommeil. Nous sommes encore. Ne t'inquiète pas, on va s'en sortir. Je te le promets. Le rat a bien tourné, il finit toujours par aller exactement où on l'attend. Nouveau morceau du J. Commence à avoir une jauge qui a de la gueule. C'est pas encore celle qu'on avait quand on a commencé. 8e trésor. Alors, libérer l'accès derrière le masque central, c'est fait maintenant. Trouver Rajen. Ah putain, saloperie d'œil, il est de retour. C'est vraiment le truc que j'aurais détesté le plus, l'histoire de l'œil là, qui nous one-shot. C'est là où on pleure de ne pas pouvoir voir plus loin, parce que où est-ce qu'ils ont été... dernier. Bon, on a libéré la bouboule, donc ça c'est fait.
Putain, l'association des deux trucs. Je me demandais ce qui se passait, mais le bâtard avec ses... Tu devrais déjà être mort depuis un moment. Dépêche-toi. Nouveau carré de santé. Il ne reste plus qu'un trésor. Impeccable, notre jauge est au max. Ah, c'est vrai, lui est toujours là. Lui. Pénible de service. On va peut-être plutôt le faire comme ça. Faut qu'on grimpe. Mourir. On a déverrouillé l'accès. Ça va être sympa pour repartir. Tu ne peux pas rester ici. Rajan est sur nos traces, je le sens. Alors, c'est la fin des immortels. On se traque les uns les autres, maintenant. Rien n'est joué. Restons concentrés. 13. Si on l'a pas anticipé, on est baisé. Hein. Ça, c'est vilain. Hein. C'est drôlement vilain. Il doit y avoir un orbe pas loin. Ça grimpe. Ces Sargons détiennent les pouvoirs du Simorgue qui me reviennent. Ce sera un honneur de leur arracher de mes mains. C'est ce que j'attends de toi. Maintenant, va.
vos souvenirs. Waouh, oh, oh, j'ai cru que j'allais tomber. Troisième piole. Et c'était notre dixième et dernier trésor. Bah là c'est le but, tu vois. Oui, non mais vas-y, mets-toi encore plus près, Michel. Bien quand c'est rapide comme ça. Bien. Tu n'es qu'un chien parmi les autres. Vous méritez tous la mort. Merdier ce truc. Ah
Oh le bâtard. On a réussi. Bon, ça va, l'œil n'est plus là. Tout de suite, on est beaucoup plus détendu. On va revenir en arrière pour choper les trucs qui nous manqueraient. Avance, jeune Sargon. Tes exploits résonnent le long des murs de Persépolis. Reçois cette étoffe royale en témoignage de notre reconnaissance. 15. Bien, on est de retour tout là-haut. Je ne peux pas faire ça. Je peux pas me battre avec toi. Tu es ma sœur. Alors je vais te libérer. دیگه یکی از ما هستی. این جنگجو از این به بعد به این اسم شناخته میشه. راجن. Rajen, je sais maintenant. J'ai tout vu. Nous pouvons quitter cet endroit. Laisser tout ça derrière nous. Le chien errant qui cherche de l'affection. Tu es vraiment pathétique, Sargon. D'abord, je vais récupérer ses pouvoirs en toi. Ensuite... je vais lacérer tes chairs en millions de lambeaux. Les Nazus viendront pondre des œufs dans ta carcasse et dévoreront ce qu'il en reste. On verra. Yeah!
ça ? Qu'est-ce qu'elle nous prépare ? Gaspille son truc, hein. Pas très fun, c'était le passage. Si t'as pas placé ton truc avant, t'es baisé. Oh, explique. Ferret Ragna ! Ici ! Ça c'est sacrément stylé, hein. Avec ça. Il souffre un peu, beaucoup, profondément, énormément, pas du tout. Pas content parce que le t'appuies sur le truc et en fait ça fonctionne pas. C'est merdique là alors. Ah c'est passé mon truc. J'adore. Il n'y a pas d'issue, Sargon. Tu vas mourir, oui ou non? Ça va être la fin alors. Ah,
Si tu fais un pas de plus, l'un de nous deux va mourir. Et ce ne sera pas moi. Je n'hésiterai... Ton chemin s'arrête ici. Les pouvoirs que tu as volés... Tu as perdu, Sargon. C'est parfait que tu sois là. Était la prochaine. Sargon. Reste calme. Tu as de la chance que Nate t'ait trouvé. Qu'est-ce qui s'est passé, Ratchen? Elle ne m'a pas laissé le choix. J'ai vu ce qu'elle a traversé. Ce qu'elle a enduré. J'aurais pu faire plus pour la sauver. Le doute existe pour tester la force de notre esprit. Car ce souvenir est une bataille bien plus difficile que celle d'oublier. Repose-toi, Sargon. Tu as failli y rester. Merci à vous. À vous deux. Sargon, je pense que tu es prêt pour recevoir ta toute dernière leçon. Rejoins-moi quand tu le souhaites. Alors, on a déjà fait tous les défis avec lui, cependant, il y en a un qui s'est rajouté. Alors, qui est le meilleur? L'élève ou le maître? Fight. Allez, tu peux mieux faire. J'utilise pas encore toute ma force. Je sais que tu peux aller bien plus loin. Cercle complet. Prépare-toi. Wow. Et quoi ce truc? C'est maintenant que ça commence. Oh.
C'est quoi son attaque là? Bien tenté. Devine. Cercle. Es-tu prêt? Merde, ils sont plusieurs. Concentre-toi. Retour sur terre. Sistan. Tiens. Sans hésiter. Voilà, c'est ça que je veux voir. Cercle. Ferre et Dragna. Il s'est étendu, hein. Tu as mis en pratique tout ce que je t'ai enseigné, et même beaucoup plus. Bravo. C'est ta manière d'admettre que tu as perdu lamentablement? Tiens, pour te féliciter. C'est le livre que j'étais en train de lire. Tu mérites ce cadeau. Oh, tu sais, c'est pas vraiment mon genre de livre. Fais-moi confiance, Sargon. Ça va te plaire. Alors, en ce moment-là, on se dit on aimerait bien retourner au niveau de notre DLC. On va pouvoir utiliser l'arbre. J'ai le succès comme quoi les... J'ai eu tous les... Je crois que c'est les fragments de mémoire. Je pense que c'est le dernier... C'est le bottin qui nous a... Qui nous a filé. On va aller là. Sauf que faut retourner dans la zone pour en être sûr. Effectivement, 16 sur 16, on a tout. Donc il fallait aller l'affronter, notre sensei. Bah, c'est le même principe que dans le jeu principal. Bien, bah voilà, on a terminé ce DLC. Plutôt réussi. Franchement, alors le jeu est aussi relevé que... Enfin, le DLC est aussi relevé que le jeu. Mais plutôt
bien dosé, c'est sympa, ils ont inclus des nouvelles mécanismes. Le seul truc que j'ai trouvé chiant, c'était l'histoire de l'œil qui nous one-shot, en fait. De toute façon, c'est toujours ce même principe, c'est-à-dire que ce qui est sympa, c'est d'avoir de la difficulté, mais d'avoir une espèce de latitude. Là, l'œil, dès qu'il nous touchait pas, fallait recommencer tout depuis le début. C'est le seul truc qui m'a vraiment agacé. Sinon, globalement, je trouvais ça bien. Il n'y a pas trop de collectibles, ils nous ont fait plutôt une zone assez vaste. Avec ce run, j'ai réussi à avoir tous les défis Ubi et tous les succès, donc c'est plutôt bien, c'est plutôt assez équilibré. À partir du moment où on fouillait un peu partout, on arrivait à tout faire, donc non, bien. Je trouve qu'ils ont eu raison de sortir ce DLC, en tout cas pour ceux qui ont aimé le jeu, ils pourront être que ravis, ça leur permet vraiment dans la continuité du jeu principal d'apporter quelque chose. Donc franchement, si vous avez aimé le jeu, allez-y. Pour les autres, de toute façon, si vous avez trouvé le jeu soit pas intéressant, soit trop dur, bon bah ça ne changera rien là-dessus. Vous pouvez passer votre chemin, mais vraiment les autres, vous allez passer un bon moment. Bravo à Ubi pour cet opus.